Le meilleur des bagages, c'est la crainte de Dieu. Alors si tu veux gagner le bonheur pour l'éternité, crains Dieu, crains Dieu. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'APT. Sachez que celui qui utilise correctement sa raison, c'est celui qui fait des provisions pour le jour du jugement. Et la meilleure des provisions, c'est la piété. La piété consiste à accomplir les devoirs et à éviter les péchés, à faire ce que Allah nous a ordonné et à délaisser ce qu'il nous a interdit. C'est ainsi que l'homme sera au nombre des pieux et qu'il n'aura aucune crainte dans l'au-delà. Celui qui persévère sur la piété jusqu'à la mort, il a une promesse de la part de Allah qu'il entrera au paradis, là où se trouve la félicité éternelle. Peu d'entre nous évitent de tomber dans les péchés, mais celui qui est raisonnable, c'est bien celui qui s'empresse de se repentir de ses péchés. C'est celui qui prend l'initiative de demander le pardon à son Seigneur. Et votre Seigneur est celui qui pardonne avec largesse. Il est celui qui accorde son pardon et sa miséricorde. Il se peut qu'une personne se pose la question et dise « Le temps est passé pour moi. J'ai commis beaucoup de péchés. Comment pourrais-je me rattraper ?» La réponse est la parole de Allah Ta'ala, c'est-à-dire que Allah pardonne à celui qui se repent de son péché. Et celui qui se repent de son péché, c'est comme s'il n'avait pas commis de péché. Remercie donc Allah, mon frère de foi, lui qui t'a accordé le plus éminent des biens, à savoir la foi. Persévère sur cette religion éminente, la religion de l'islam, avec laquelle sont venus tous les prophètes, la seule religion que Allah agrée pour ses esclaves. Empresse-toi de frapper à la porte du mérite. Prends les causes du pardon. Empresse-toi au repentir sans remettre cela à plus tard et sans persister sur les péchés. Puissiez-vous vous rappeler, invoquez Allah et remerciez-le. Il augmentera vos biens. Demandez-lui le pardon. Il vous pardonnera. Craignez Allah. Il vous accordera des issues lors des difficultés, Inch'Allah. Que Allah nous accorde d'être de ceux qui, lorsqu'ils écoutent de belles paroles, les appliquent et les suivent, Inch'Allah. N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi une nouvelle vidéo d'un rappel ou d'un cours donné par un petit musulman. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. N'attends pas que la mort vienne te chercher pour avoir des